Bonjour à tous et bienvenue à Perspective. Ces derniers jours, la paix entre les nations et la vie consacrée était le thème privilégié au Vatican. Samedi matin d'abord, suite à l'annonce d'un nouvel accord entre le Saint-Siège et la Palestine, le 14 mai dernier, le pape François a reçu le président palestinien Mahmoud Abbas au Vatican. Une rencontre qui aurait contrarié la population israélienne en entendant une expression utilisée par le pape pour décrire le président comme un ange de la paix. Mais le bureau de presse du Saint-Siège a assuré que c'était plutôt une façon d'exhorter le président à persévérer dans ses efforts de réconciliation avec Israël. Les deux hommes ont parlé du processus de paix avec Israël, exprimant le vœu que les négociations directes entre les parties puissent reprendre pour trouver une solution juste et durable à ce conflit. Le pape et Mahmoud Abbas ont redit l'espoir qu'avec le soutien de la communauté internationale, Israéliens et Palestiniens prennent des décisions courageuses pour parvenir à la paix. Ils ont redit aussi la nécessité de combattre le terrorisme au Moyen-Orient et de renforcer le dialogue interreligieux. Enfin, une grande satisfaction a été exprimée de part et d'autre concernant l'accord sur quelques aspects essentiels de la vie et de l'activité de l'Église catholique en Palestine qui devrait être signé prochainement. Après un échange de cadeaux avec le pape, le président Abbas a rencontré le cardinal secrétaire d'État, Pietro Parolin, et Mgr Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États. Dans la journée du samedi, c'était au tour des religieuses et religieux, ainsi que des personnes consacrées du diocèse de Rome, d'avoir une audience avec le pape François à la salle Paul VI au Vatican. Plutôt que de livrer un discours traditionnel, le Saint-Père a répondu aux questions des hommes et femmes présents qui touchaient à des thèmes spécifiques de la vie consacrée. Le pape a dispensé des conseils pour vivre le don reçu de la façon la plus adaptée à l'appel de Jésus. Un don qui n'est pas un enrôlement, mais le cadeau d'une personne. Il a rappelé que les sœurs cloîtrées, par exemple, sont des femmes en tension entre la vie cachée et la visibilité et qu'elles doivent toujours lire leur propre vie à travers le oui à Dieu. Elles doivent rester reliées au monde et offrir leur sourire qui nourrit plus que le pain, a dit le pape. Leur sourire fait aussi du bien aux prêtres qui viennent les confesser au monastère. Avec ce sourire et avec la prière démoniale, ils repartent renouvelés. Les sœurs, a poursuivi le pape, sont l'icône de l'Église et de la Vierge. Leur amour est maternel et concret, il est tendresse et proximité. Le pape a ensuite évoqué la question de l'obéissance, un mystère qui se comprend seulement dans la suite du Christ, en s'assimilant à lui et mettant ses pas dans les siens. Cette rencontre s'est déroulée la veille des canonisations de quatre religieuses du 19e siècle, une Française, une Italienne et deux Palestiniennes. Le président de la Palestine était d'ailleurs présent pour la célébration de dimanche dernier. Le Saint-Père a présidé la messe place Saint-Pierre où il a décrit la vie de sainteté de ces quatre femmes qui sont modèles pour aujourd'hui. Dans son homélie, François a rappelé que la Française, sœur Jeanne-Émilie de Villeneuve, a consacré sa vie à Dieu et aux pauvres, aux malades, aux prisonniers, aux exploités, devenant pour eux et pour tous signe concret de l'amour miséricordieux du Seigneur. L'Italienne sœur Maria Cristina Brando fut complètement conquise par l'amour brûlant pour le Seigneur et de la prière, de la rencontre cœur à cœur avec Jésus ressuscité, présent dans l'Eucharistie. Elle recevait la force de supporter les souffrances et de se donner comme pain rompu à beaucoup de personnes éloignées de Dieu et affamées d'amour authentique. Deux des nouvelles saintes sont palestiniennes. Sœur Maria Bawardi, qui, humble et illettrée, a su donner des conseils et des explications théologiques avec une grande clarté, fruit du dialogue continuel avec le Saint-Esprit, et qui s'est faite instrument de rencontre et de communion avec le monde musulman. Et sœur Marie-Alphonsine Daniel Gattaz, qui offre un exemple clair de l'importance de nous rendre responsables les uns des autres, de vivre l'un au service de l'autre. À la fin de la célébration, avant de réciter la prière du Regina Coeli, le pape a demandé à tous d'être signe de miséricorde, de charité et de réconciliation, à l'exemple de ces nouvelles saintes. Il a aussi invité à prier particulièrement pour la population du Burundi, en proie à des troubles politiques, afin que le peuple parvienne à fuir la violence et agisse avec responsabilité. C'est tout pour cette émission. À très bientôt.